Bye. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Manno Sami. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Wamba! Comme Aïcha Kamwaza a souvent l'habitude de le faire. Bamba! Tout est gâté, le soco est dehors. Oh, aujourd'hui, ça a cuit entre une maman et sa fille. Oh, aujourd'hui, ça a cuit entre une maman et sa fille. Vous savez, après le décès tragique de notre cher confrère, artiste, humoriste, comédien, chanteur et influenceur web, Cabrel Nandjib, ce dont fut l'entrée de notre seul et unique madame de Facebook, dont j'ai nommé Mama Laura Kamini, notre seul et unique madame de Facebook. Juste après son apparition sur les réseaux sociaux, elle a commencé à faire des prédications où elle disait que beaucoup d'artistes devaient suivre Cabrel Nandjib. Elle avait également dit que beaucoup d'artistes, humoristes, comédiens, chanteurs et influenceurs web camerounais étaient dans les loges et que le défunt Cabrel Nandjib lui-même en question était dans ses loges. D'ailleurs, que vu le statut qu'il occupait dans ses loges, il a fait entrer beaucoup d'artistes, humoristes, chanteurs, comédiens et influenceurs web camerounais dans ses loges. Elle avait aussi dit que la majorité des artistes qui avaient eu à bosser près de Cabrel Nandjib devait lui suivre dans la tombe. Et quand elle a fait son apparition, pendant que chacun était en train de chercher comment faire pour se défendre contre les propos de Laura Kamini, notre seule et unique Aïcha Kamwaza s'est donc transformée à la princesse de notre seule et unique madame de Facebook, Maman Laura Kamini. Elle a donc commencé à dire « Tata Lo peut avoir raison, hein ?» Tata Lo. Et de l'autre côté, notre seule et unique madame de Facebook, Laura Kamini, avait aussi changé le petit nom de Aïcha Kamwaza. Donc, elle a donné le petit nom de princesse à Aïcha Kamwaza. Et les deux s'appelaient au téléphone. Ma princesse, Tata Lo. Ma princesse, Tata Lo. Et jusqu'à ce que elle a fait une apparition sur la page Facebook d'Aïcha Kamwaza. En bref, c'était dans une vidéo live. Ça a chauffé, la toile a cramé. Mais tout d'un coup, tout est gâté. Tout est gâté. On ne sait pas ce qui se passe entre Aïcha Kamwaza et sa mère Laura Kamini. Voilà. D'ailleurs, notre seule et unique madame de Facebook a d'abord fait une apparition, une sortie, où elle a indexé Aïcha Kamwaza en lui donnant les vectos. Elle a dit dans sa vidéo que Aïcha Kamwaza, n'utilise plus mon nom pour vendre tes produits. Et le lendemain, Aïcha Kamwaza a fait une sortie, une apparition. Elle a donc dit Laura Kamini. Juste après la sortie de Laura Kamini, sa princesse Aïcha Kamwaza a aussi fait une sortie où elle a commencé par dire Laura Kamini. Donc au lieu de dire Tata Lo, elle a dit Laura Kamini. Nous on a compris que c'était en train de tchakaboum, 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 tchakaboum. Et Aïcha Kamwaza a dit Laura Kamini, je vais te manquer de respect. Si tu me prononces encore, je vais te manquer de respect. Ce que Marie Bibi t'avait fait n'est rien. Ah bref, vous savez, quand des petites personnes sont en parole avec quelqu'un, ils cherchent seulement à entrer dans les yeux de cette personne. Donc Aïcha commence à dire, Laura Kamini, je veux, comme si elle voulait seulement entrer dans les yeux de notre seule et unique madame de Facebook. Maintenant, c'est parti de la princesse et de Tata Lo à Aïcha Kamwaza et Laura Kamini. Maintenant, il n'y a plus de respect. Juste après la sortie de Aïcha Kamwaza, le lendemain, notre seule et unique madame de Facebook a donc fait une apparition sur Facebook. Oh! Ça attend, elle a tout gâté. Aïcha Kamwaza, je vais te dénoncer. Tu es dans les loges, tu es dans les sectes. C'est ton père qui t'avait initié. Ta maman t'a initié. Ta grand-mère t'a initié. Tu as pris toutes les chances de tes soeurs. Tu as pris les chances de ta cousine. Tu as rendu ta tante qui est en Belgique folle. Ta tante Abiba est folle. Bambo, c'est gâté. Tout est gâté. Et le lendemain, Aïcha Kamwaza a fait une sortie catastrophique. Donc c'est comme si elle avait pris le c'est comme si elle avait pris le débat. Au lieu de dire Tata Lo, elle a commencé. Lo Kamini, toi-même tu es dans le secte. Tu es marabout. Tu es menteuse patentée. C'est gâté. Laura Kamini, tu es mauvaise.
ton enfant te manque de respect, mec. Allez sur la page de Aïcha Kamoise ou sur la page de Laura Camille. Vous-même, vous allez voir. C'était votre humble serviteur Manno Sabi. J'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. Et si vous l'avez vraiment aimé, n'oubliez pas de liker et la partager au maximum. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo sur Prétendu. On s'appelle. C'est mon direct. Je fais avoir mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avoir mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avoir mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avoir mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être ska. Même Samuel et tout, fais le direct. Petit pays, fais le direct. Longue, longue, fais le direct. Flor de Lille, fais le direct. La reine galloise, fais le direct. Même ma grand-mère, fais le direct. Fais le direct, fais le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Manno Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie, maman selfie.